On l'a échappé belle. Merci, caporal chef. Bien. Monsieur. Dubois. Dubois. Monsieur Dubois. Parlons sincèrement. Depuis combien de temps ne l'avez-vous pas ramené? Et vous savez, madame, que si monsieur ne ramène pas régulièrement, vous pouvez avoir de gros problèmes de tirage. Je sais, oui. Mais je ramène. Je ramène absolument normalement. Tu parles de ta résidence principale ou de résidence secondaire? Valentine, s'il te plaît. Non, nous parlons de cette cheminée-là. À quelle fréquence ramenez-vous? Je sais pas. Une à deux fois par an? Oh, ça doit être à peu près ça, oui. Vous avez des certificats? Non. Pas de certificat. Ah oui, mais en absence de certificat, l'assurance ne pourra pas prendre en compte le ramonage. Oui, oui. Quand on néglige l'entretien. Enfin, peu importe le certificat, nous avons un autre problème, beaucoup plus grave. Un autre problème? Ah oui, madame. Votre conduit est coudé. Coudé? Et qui dit conduit coudé, dit problème de tirage et de ramonage. Il n'est pas du tout coudé, mon... Ah, si, madame, il est coudé. Et à moins de travaux absolument gigantesques, monsieur aura beau ramoner, il ne tirera jamais correctement. Monsieur, je vous donne un conseil. Si c'est le feu de cheminée que vous cherchez, ce n'est pas ici que vous le trouverez. De quoi je me mêle, là? En attendant, vu les défaillances graves au niveau des normes et de l'entretien, je ne crois pas que votre assurance pourra prendre en charge les conséquences du sinistre. Vous m'envoyez désolé. Ça s'appelle relancer la flamme. Les clés.